J'ai d'abord un problème avec la CEI, mais ce n'est pas dans la composition. Parce que dans la composition, dans la répartition des postes, je vais être honnête, c'est mieux que ce que nous avions. C'est mieux que ce que nous avons eu en 2010 en termes de répartition. Ça, c'est clair. Je vais seulement dire qu'il y a la confiance. Parce qu'un arbitre, c'est d'abord la confiance. Si tu n'es pas accrédité d'une confiance, tout ce que tu vas poser comme acte sera suspecté. À tort ou à raison, ça sera attaqué. Voilà le président de la CEI qui dit, qu'on dit, soupçonné de beaucoup de choses. Le président Alassane Ouattara dit, lorsqu'il devait être investi candidat du RHDP, il dit à Bédié, cher aîné, on t'a volé ta victoire, je vais la récupérer, je vais te la ramener. Donc Alassane Ouattara reconnaît qu'on a volé une victoire à Henri Konan Bédié. Henri Konan Bédié dit, j'ai été frustré de 600 000 voix au premier tour. Laurent Gbagbo dit dans son récent livre que c'est Bédié qui était admis au second tour. Donc, Bédié, Alassane et Laurent Gbagbo sont d'accord pour dire que les élections au premier tour n'ont pas été claires. Le patron de l'arbitrage des élections, il s'appelle Ousmane Bakayoko, président de la CEI. On se comprend. Donc, dès lors que tous ces trois leaders, Bédié lui-même, Alassane et Laurent Gbagbo, dénoncent que ce monsieur à la tête de cette structure, qu'est-ce qu'on fait de ce monsieur quand toi on le propose à la tête de la même structure? Lui, on dit non, on le combat. Parce qu'aujourd'hui, quelque chose que Youssou Bakayoko va faire, Bédié se souviendra que lui, il était là et on m'a volé 600 000 voix. Alassane Ouattara dira oui, il avait volé des voix à Henri Konan Bédié. Gbagbo de là-bas, comme avec le FPI, ils diront toujours que ce monsieur, il est capable de tout. Mais pourtant, le chef de l'État à Daoko, il y a rendu hommage de présenter. Non, moi je ne parle pas, moi, je prends pas des discours. Également et tout je ne parle pas des discours politiques, je vous donne des faits. Okay. Bédié a dit qu'il a été frustré de 600 000 voix. Bien sûr. Qui était l'arbitre de ces élections? C'est Youssou Bakayoko. Bien sûr. Même si ce n'est pas lui qui a traficoté, il y a ce qu'on appelle le délit de responsabilité. Bien sûr. Bien sûr. Et le délit de responsabilité dit que le président de la CEI était là et la CEI a frustré M. Bédié de 600 000 voix.